Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur WandaVision. Aujourd'hui, on va parler du huitième épisode sorti il y a quelques jours. Néanmoins, depuis quelques semaines, je vous fais les vidéos un petit peu en retard. J'en suis désolé, mais c'est vrai que le week-end, j'ai pas mal de trucs à faire et le début de semaine est souvent assez booké, on va dire. Donc voilà, on va parler aujourd'hui du huitième épisode. Alors, le huitième épisode a été un épisode un peu spécial parce que c'est le premier où on sort complètement à 100% du côté sitcom qu'on avait depuis 7 épisodes qui néanmoins s'affaiblissait, on va pas se mentir, qui bah, du coup arrivait on va dire à nos jours, on va dire, en termes de d'époque. Et du coup, cet épisode s'appelle précédemment dans. Et pour le coup, il porte vraiment bien son nom parce qu'il va avoir énormément de scènes dans le passé. Donc, on va commencer par une scène dans le passé déjà qui va non pas porté sur Wanda ni sur Vision, mais sur Agatha Harkness, qui a été la grosse révélation de l'épisode d'avant. Donc Agatha Harkness, Agnès, donc autre sorcière de Westview. Et donc on ne sait pas trop qui c'est, on sait juste qu'elle a manigancé 2-3 trucs, qu'elle était derrière l'arrivée de Pietro dans l'épisode 5, je crois. Et voilà, elle était derrière pas mal de choses. Donc, on voit une première scène la mettant en scène. Une première scène la mettant en scène. C'est pas très très, très très beau, mais voilà, ça fera l'affaire. En tout cas, on la voit du coup qui est jugée par une sorte d'assemblée de sorcières, donc à Salem. Et donc, on a donc une scène où au final, il y a sa mère, notamment, qui est une autre sorcière, et qui la juge en disant qu'elle a accès à un pouvoir qu'elle ne devrait pas avoir, etc., avec son jeune âge et tout. Et au final, il s'avère qu'elle tue tout le monde, dont sa mère. Elle récupère le médaillon, d'ailleurs, qu'on avait déjà entrevu. Et alors, elle les tue d'une façon assez déconcertante, et donc on peut se dire peut-être qu'elle avait déjà fait un petit pacte et tout, et ça se trouve, cette magie dont a parlé sa mère, c'était peut-être un pacte potentiellement avec le diable, donc avec Mephisto, peut-être, on ne sait jamais, mais c'est peut-être ça, on espère encore voir Mephisto arriver et peut-être être teasé pour une utilisation un peu plus importante dans Loki. En tout cas, ensuite on revient avec nos personnages principaux, donc dans la cave d'Agatha Harkness, avec Wanda qui du coup va être rapidement retenue prisonnière et qui va être obligée entre guillemets par Agatha Harkness de retracer, on va dire, son parcours donc vers l'obtention de ses pouvoirs et vers la création du Hex. Et parce que Agatha Harkness est un petit peu jalouse au final, on va pas se mentir, c'est de la pure jalousie en termes, enfin voilà, pour parler des pouvoirs de Wanda. Et voilà, elle voulait avoir des réponses. Wanda, au final, en avait presque tout autant besoin, hein, dans certains points de l'histoire, parce qu'elle savait plus trop pourquoi ni comment elle avait créé ce Hex. Et donc, il va avoir plusieurs étapes dans ce voyage, qui va commencer en Sokovie, là où Wanda et Pietro sont enfants, leurs parents sont toujours en vie, et c'est là que son amour pour les sitcoms va commencer. Et du coup, on va comprendre le pourquoi du comment, notre série WandaVision, qui a commencé depuis maintenant 2 mois, et sous forme de sitcom, ou en tout cas l'était, pendant 7 semaines d'affilée. Enfin, 6 semaines d'affilée, parce que les 2 premiers épisodes sont sortis la même semaine. Donc, on a la mort, du coup, des parents de Wanda et de Pietro, avec le missile Stark, qui, du coup, n'explose pas comme ça avait déjà été mentionné précédemment dans des films. Et on peut voir, du coup, que on a qu'on apprend que du coup Wanda a quand même un petit peu manipulé le fait que ce missile explose, et du coup on peut se dire qu'elle avait déjà un petit peu des petites parcelles de son pouvoir qu'elle va du coup acquérir totalement, ou en tout cas ça va peut-être le révéler, en tout cas ce pouvoir, quand va venir la deuxième étape du voyage, qui va du coup être dans l'antre d'Hydra,
où du coup elle va avoir son premier contact avec avec le sceptre de Loki et du coup avec la pierre de l'esprit. Donc ça c'est donc juste après les événements d'Avenger 1, donc entre Avenger 1 et Avengers 2, juste avant au final que les Avengers viennent dans le manoir du Baron Strucker. On imagine que c'est sûrement à cet endroit-là d'ailleurs que se passe cette scène-là, ou en tout cas voilà, dans un pays de l'Est en tout cas. Et donc, c'est à ce moment-là donc qu'elle va avoir le premier contact, qu'elle va voir également, la sorcière rouge. Hein, elle aura donc dans cette vision avec la pierre de l'esprit, enfin cette connexion avec la pierre de l'esprit, elle va voir la sorcière rouge. Enfin, en tout cas on va dire l'idéal qu'est la sorcière rouge et ce à quoi elle pourrait prétendre. Et donc c'est à ce moment-là que ses pouvoirs vont un petit peu émerger. Ensuite, on a une scène qui vient après, qui sera particulièrement émouvante, qui arrivera un petit peu plus tard, donc après les événements de l'ère d'Ultron. Ultron n'est plus, Vision, du coup, a été créé, hein, du coup, a été créé, a tué Ultron, et du coup, on se retrouve avec une scène où Wanda est en plein deuil, Pietro, du coup, est décédé lors d'Avengers 2, et du coup, c'est là que le deuil. L'étape du deuil donc qu'elle traverse pour Pietro va également amener un sentiment d'amour pour notre ami Vision. Et donc, on a une scène particulièrement émouvante en même temps qu'il visionne Malcolm, où il y a pas mal de moments assez intéressants quand il parle de l'amour, quand il parle du deuil, notamment Vision. Voilà, c'était une scène vraiment cool. Et voilà, c'est là vraiment que va commencer l'amour de Wanda pour Vision, réciproquement également, et c'est là que va être le point de départ, on va dire, de la création du X. Parce qu'au final, après, on se retrouve dans une scène bien après, à la mort de Vision, enfin après la mort de Vision, donc 5 ans après la mort de Vision au final. Donc on se rappelle un petit peu les événements. Infinity War, mort de Vision, donc d'abord tué par Wanda, puis le petit retour dans le passé. Thanos, balance Wanda un petit peu loin et tue Vision pour prendre la pierre et du coup faire après son snap. Snap qui va du coup faire disparaître justement Wanda. Vision, lui, va être récupéré par le Sword et pendant 5 ans, l'examiner. Et donc, on imagine que Heyward, du coup, le directeur du Sword, son projet caché, c'était justement l'utilisation de cette arme qu'est Vision. Et donc, pendant ces 5 ans, Wanda n'est plus là, sauf que quand elle revient, donc là, il y a la bataille finale dans Endgame, etc. Thanos est vaincu, sauf que derrière, eh bien, elle arrive au Sword. Et justement, elle voit Vision qui est désossée. On a une scène particulièrement émouvante au moment qui fait référence à des scènes qui s'étaient déroulées dans les autres films, où justement elle dit qu'elle n'arrive plus à le ressentir. Et elle part sans son corps. Et ça, c'est très important parce que Heyward avait bien spécifié, pardon, qu'elle était partie avec le corps de Vision. Et donc, elle part bien sans son corps. Et donc, elle se dirige ensuite vers Westview, qui sera la dernière étape de notre voyage, où du coup, elle va croiser pendant son périple en voiture dans les rues de Westview, donc un Westview totalement normal, hein, pour le coup. Elle va croiser certains habitants et qui du coup deviendront les comédiens de la sitcom. On peut voir la femme du patron de Vision qui apparaît dans l'épisode 1. On peut voir un des collègues de Vision. On peut voir le facteur. Voilà, on peut voir un petit peu tout le monde qui se balade, qui vit sa vie, quoi. Et ensuite, elle arrive sur le terrain qui avait été acheté par Vision pour qu'ils vivent leurs vieux jours ensemble, voilà, comme un couple tout à fait normal. Et donc c'est à ce moment-là où elle va créer du coup le X, pris de chagrin, voilà, créant ce X pour exprimer tout l'amour qu'elle portait pour Vision, et c'est là que va commencer, enfin c'est là le point de départ au final de WandaVision. Et donc, dans le final, du coup, qui n'est plus du coup ce départ de WandaVision, mais du coup la
le moment où du coup avec du coup Agatha Harkness ils reviennent dans la réalité. Donc on passera la scène du théâtre où Agatha du coup la fait un peu partir de droite à gauche. Ensuite on se retrouve du coup dans la rue et là donc la scène finale avant la post-générique bien évidemment. La scène finale c'est Agatha Harkness qui du coup est dans son costume on va dire final dans son vrai costume de sorcière avec du coup enfin elle tient du coup enfin elle torture on va dire les deux enfants et du coup elle cite voilà pour finir l'épisode voilà il fallait terminer sur une grosse punchline et disait Vision tout est enfin elle cite tous les trucs que Wanda a fait Vision tout ça et elle dit que c'est de la magie du chaos et ce qui fait de toi la sorcière rouge. Et là, bam, grosse punchline, le générique de fin, sauf que non. Sauf que non, car on a une petite scène post-générique qui expliquera le pourquoi du comment du plan de Hayward. Plan qui, du coup, s'est concrétisé grâce à la récupération d'un drone, du coup, qui avait pénétré dans le Hex, que Wanda, au final, a ramené toute seule, enfin, au final, qu'elle a redéposé. Qu'elle a redéposé du coup au Sword, enfin au Sword, disons dans leur camp, là, juste avant d'agrandir le Hex, je crois que c'était dans l'épisode 6 de mémoire, ou non, c'était même, non, maintenant, c'était dans l'épisode 5 d'ailleurs, c'était dans l'épisode 5, je crois, au moment où elle sort pour la première fois du Hex pour les menacer un petit peu. Et bien à ce moment-là, elle donne au final ce qui manquait à Hayward pour créer son arme, à savoir une sorte de vision tout pâle, un peu chelou. Donc on ne sait pas trop quel personnage, enfin on ne sait pas trop ce que ça va être au final, mais est-ce que ça va être un personnage qui va avoir juste de l'importance dans l'épisode 9? Est-ce que ça va être juste voilà, un émissaire du Sword et qui va bah, du coup être un peu le boss final de la série? Est-ce que ça va être un perso qui va venir et qui va être introduit pour ensuite être réutilisé dans d'autres films. Est-ce que ça va... Voilà, on ne sait pas trop en fait comment ce personnage va être utilisé, mais c'est vrai que là, on est en train de se dire. Enfin, là maintenant, on va parler de théorie pour l'épisode 9, mais c'est vrai que entre Agatha Harkness, il va quand même falloir finir entre guillemets l'arc avec elle, et ben, on s'imagine qu'il y aura sûrement un combat, un truc comme ça. Il y a les enfants. Il y a le délire toujours avec Monica Rambeau, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas du tout vu dans cet épisode, donc qui est en train de devenir photon. On a Pietro, du coup, qui a retrouvé Monica Rambeau, donc à la fin de l'épisode 7, donc de la scène post-générique, justement. On a ce nouveau Vision, on a Hayward, on a également le Vision de l'intérieur du Hex, parce qu'au final, le Vision du Hex, bah. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans l'épisode 7, quand il s'en va de la camionnette de Darcy. Darcy, qui d'ailleurs était bloquée, on la voit, on ne sait même pas où elle est d'ailleurs. Et Vision, on ne le revoit plus. Alors, et du coup, ce n'est pas le même Vision du tout. C'est le Vision créé dans la réalité du Hex. Donc, c'est le faux Vision, entre guillemets. Et donc, le vrai Vision, entre guillemets, rafistolé, va sûrement pointer le bout de son nez. Si à ça on rajoute potentiellement peut-être Mephisto qui pointerait le bout de son nez et potentiellement voilà peut-être une introduction de Doctor Strange ou autre, enfin en tout cas une sorte enfin une scène post-générique ou en tout cas une ouais c'est ça une liaison avec l'univers de Doctor Strange ou autre univers des prochains films pour le lier à tout ça, peut-être avec Loki donc qui va sortir dans quelques mois, peut-être justement avec Doctor Strange. Parce que normalement, cette série, donc WandaVision, était une introduction au film Doctor Strange 2. Donc voilà, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans ce dernier épisode, qui risque d'être, je pense, assez long. Déjà, cet épisode était plus long, c'était assez agréable. C'était un épisode qui nécessitait d'être un peu plus long, parce qu'il y avait quand même pas mal de trucs à voir. Épisode vraiment qui changeait complètement de dynamique, mais qui était très très agréable à suivre. Et bah voilà, on veut la suite maintenant, on veut le dernier épisode. Donc bah écoutez, vous voyez cette vidéo le mercredi normalement. Donc voilà, il sort vendredi. On espère qu'il sera, enfin, qu'il finira cette série exceptionnelle de façon tout à fait extraordinaire. Et voilà, on se retrouvera également pour Falcon, Soldat d'hiver, pour Loki. On fera des petites vidéos également comme je faisais là pour WandaVision. On fera des petites vidéos à chaque fois pour chaque épisode. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, cette petite vidéo, cet épisode. Donnez-moi votre avis sur tout ça, sur toutes vos petites théories. Est-ce que vous avez des théories sur ce qui va se passer?
Voilà, moi j'y crois toujours, Mephisto, j'y crois toujours qu'il sera introduit justement pour Loki. Ça me paraît trop gros que Mephisto soit pas introduit. Ça me paraît beaucoup trop gros. En tout cas, voilà, merci à vous, bonne soirée et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à plus.